Un autre moyen d'être servi en eau consiste à être approvisionné par une station de pompage, positionnée ici sur le canal principal, qui va alimenter à travers un réseau sous pression un certain nombre de terrains. Donc en suivant tout simplement les traits continus rouges, on voit quels sont les terrains, donc les activités qui sont desservies par cette station de mise sous pression, et station de mise sous pression qui est gérée et installée par le joueur, donc gestionnaire du canal. Pour représenter le fait qu'une carte terrain est alimentée par ce réseau, vous avez ici une carte sur laquelle est inscrite la mention sous pression collectif, hein, puisqu'on voit que là, bien sûr, c'est collectif puisqu'il y a plusieurs terrains qui sont desservis au départ par une même installation. Au départ du jeu, il y a deux stations de pompage de ce type-là. La première qui est située sur le deuxième canal secondaire et la deuxième qui est située ici et qui va permettre d'alimenter en eau sous pression ces terrains qui sont localisés en dehors de la zone donc, du périmètre irrigué. Donc en dehors donc, de cette zone qui est desservie par le canal, et sur lequel on va trouver une carte jouée par l'habitant et une carte ici jouée par un agriculteur.